J'estime que le port de tenue ou de signe qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. C'est une loi discriminatoire. Je pense que le féminisme, il n'a pas de couleur, pas de vêtements. On est des femmes, on défend nos droits. Bah nous, on est un peu l'antithèse de ni pute ni soumise, puisqu'on est contre les lois qui punissent les prostituées et contre les lois qui punissent les femmes voilées. Donc voilà, on est exactement l'antithèse, on est donc un vrai mouvement féministe. Ni plus ni moins. On a d'autres problèmes dans l'éducation nationale, on a d'autres problèmes dans l'école, et ça vise bien sûr à cacher tout ça. Ce qui s'est fait, c'est qu'on a remis les bougnoules à leur place. Et tout le beau discours sur la laïcité, et on a entendu tous les arguments. J'ai une pile de dossiers comme ça, d'articles du Monde, et tout le monde y va. Mais dans le fond, elle a raison, elles ont raison, c'est le racisme. Je n'ai pas peur de le dire parce que ça fait 5 ans que je médite là-dessus.